مرحبا بكم في نحبو السينما. حوار بين زوج يحبوا يشوفوا دي فيلم الجزائريين ويتلاقاو باش يقصروا عليهم. واش حسوا؟ واش فهموا؟ كيفاش الفيلم فكرهم في روحهم؟ واش من فكرة جديدة جاتهم؟ أنا أميرة. أنا محمد. وفي هذا الابيزود نهضروا على الفيلم في جسمي حكاية en français une histoire dans ma peau. Il s'agit d'un film documentaire réalisé par Yanis Relloufi et c'est un court-métrage qui dure 17 minutes. Dans ce film, il s'agit d'un dispositif de portrait d'un homme engagé et militant, Qader Fares Afar, qui gère une association et construit un café littéraire. Dans ce portrait, l'homme nous parle de l'origine de création ou de combat, et notamment les siens. Passé, présent et futur se croisent sous nos yeux. Cette image, justement, ce moment de mon histoire est resté dans ma tête. De par mon militantisme, mes luttes, j'ai dit cette histoire. قاتلك حاجة ولا ما قاتلكش حاجة. نحتت على جسمك حكاية. أنا هاد الشعب حي. واش حسيتي؟ حشمت. في هذا الفيلم شفت بزاف صوالح وفي هذا الصوالح شفت لي ديفيكولتي ماتيريال تاع فارس عفاق. فارس عفاق اللي راهو هو بالذات يعاون الناس اللي عندهم دي ديفيكولتي. وما على باليش واش راني نحس اكزاكتومون بارابور ا هاد لا بودور. جو مو كيسيون ان فيت. Est-ce que c'est impudique de voir ses difficultés et d'en parler? Qu'il dit c'était indécent ou la chouma parce que je m'arrête sur ses difficultés ou là au contraire, est-ce que c'est impudique de les voir ou ma nahdarch alayhom ga? Parce qu'en fait, analia ki ma nahdarch alayhom ki lindir rohi ma kayn walou ou ma ndesh alayha qufahs ou hakda hatta naya ma ndir walou. C'est comme si je me dédouanais. Ou l'hashma hadi, ma pudeur, des fois t'mil à gauche, des fois t'mil à droite. En tout cas, j'ai de la sensation de pudeur, cette fois pas forcément par rapport aux difficultés, je la retrouve ailleurs dans le film. La rencontre bin le réalisateur, Yanis Relloufi, ou le personnage, Fares Afar. Les plans wassarin, pour la plupart, où la caméra respecte une certaine distance. D'ailleurs, même qu'il t'qarrab la caméra à un moment, on ne sait borohna vraiment proche du visage ta Fares, ou tchou les plongé dans le noir. Donc c'est une autre manifestation pour moi de head la distance ou head la pudeur. On t'a ouch hassit. Adjoubni l'hal qui chuft head le portrait à une figure actuelle du militantisme et de l'engagement en Algérie. Ala khatar had la figure, Fares Qader Afar, elle est vivante et elle est toujours à œuvrer dans son engagement. Tbenlib les Fdzayer, la plupart des héros, des figures valorisées, elles le deviennent une fois qu'elles meurent, alors qu'il me semble important de rendre visibles les personnes qui œuvrent au quotidien aujourd'hui. Des gens normaux, c'est comme ça que la jeunesse, pour moi, c'est comme ça qu'elle peut s'identifier et faire de même que les personnes. Le politique Fibladna, pour moi, il est incarné que par des mafieux. Et dans le film, justement, on voit que Hada Abd, idèle politique, kul yom fi kul makan. Et c'est important de le montrer. Ouya, c'est pas simple. Valoriser les vivants, pour revenir à ça, valoriser les vivants, c'est faire confiance dans le fait que ce qu'ils feront par la suite ne va pas trahir la confiance qu'on leur accorde. Ouzid Houma, Hadouma, les vivants qu'on veut valoriser, que j'aimerais qu'on valorise, Houmatani, ils veulent pas être valorisés. Il faut jongler entre tout ça, et je trouve que le film réussit justement bien là-dedans. Et pour revenir au problème de valoriser les morts,
Le problème, c'est que chacun peut raconter l'histoire qu'il veut et se réapproprier had les morts vu qu'ils ne sont plus là pour confirmer ou infirmer le raccord avec telle ou telle pensée. Le personnage Hada Fares Qader, il nous parle à un moment de ce qu'il aimerait voir dans le café, qu'il est en train de construire, le café Hada. Il aimerait voir de la diversité, de la chaleur, et donc ce qui permet en quelque sorte la création spontanée. Il nous dit qu'il aime voir les conditions Hadoma qui précèdent un moment de création. Ouhna, en tant que spectateur, on est en train de voir justement, ce qui précède la création de son café, un lieu alternatif dédié à la culture et à la rencontre. Et on le voit avec nos yeux dans son chantier, et on l'entend aussi lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous raconte son histoire d'éclic, l'histoire dans sa peau qui a précédé tout son engagement militant et solidaire, et ce qui fait qu'il est en train de construire son café. Et comme si que had l'étape, avant la création, dans le film, elle est représentée encore mieux par la scène où il récupère de l'eau sous terre. Et ça m'a fait penser à des chercheurs d'or. Le café en construction et la vision qu'il en a, ouah, ça vaut de l'or pour lui, et certainement bien plus. Plus notamment parce que cet or, Hadaya, cet or, il va servir la communauté, il va servir le collectif. Tout ça, pour moi, ça raconte la volonté de l'optimisme ou l'optimisme de la volonté qu'il y a chez les personnes engagées sur le terrain, au quotidien, à vouloir agir sur le réel et le transformer tel qu'ils aimeraient le voir. Et toi? J'ai perçu trois temps dans le film. D'abord, nchoufou Fares, li rahou aïch dans un espace, li khdem feh, ou iïch. C'est un individu qui évolue dans son contexte. Ensuite, nsma'ouh yihkilna wach khallah yihel une association solidaire, li wismha le cœur sur la main, où il qom beha durant toutes ces années. Lehna, c'est un individu, fard, qui, comme dans une confidence, yarafna blhkaya qui fait son individualité. Le fardia dialo. Enfin, Kaina la scène finale. Nchoufo son corps, yishtah, filmé fdalma comme une silhouette. Il se contracte, il s'allonge, notre cher Rahoui Darab, Rebitartag. Dans cette scène, Fars Rahou Aïch, et il partage son individualité avec une telle puissance, une telle transparence, qu'elle en devient transcendante. Ouhna, les spectateurs, n'aqlu rohna comme des corps libogéou, les hessou, exprime de manière cathartique des douleurs enfermées et des histoires à raconter. L'histoire dans sa peau appelle l'histoire dans la mienne et j'imagine dans celle d'autres personnes. Selon moi, parce qu'il vit pleinement son individualité, Omarahosh il abdour, ijma'a nas binatum. Toujours par rapport à cette danse finale, qui est incroyable, Anaouyak Moh, pendant le confinement, on se donnait une heure. Et on dansait parfois chacun chez lui sur des mix. C'était une manière pour nous de bouger, de garder le moral et de nous soigner. Les pensées s'alignaient sur les sons et les mouvements du corps. Et parfois, kunt nfekker ʿfayes li nsitthom gaʿ a priori. Donc en fait, c'était la mémoire du corps qui s'exprimait. Donc anaya fhad les moments, fort bswalḥ ʿala rouḥi, voilà ma relation avec les autres que j'avais un peu enterrée en moi. En même temps, dans l'idée de s'éloigner de l'image de soi pour être vraiment soi, ce type de danse assez libre suppose l'absence de miroir et de caméra. Et c'est paradoxal, et ça me fait sourire, parce que les deux scènes qui m'ont le plus touchée dans le film sont celles où on voit Fares dans un tout petit miroir, au contour plastique rose, posé à côté de la peinture d'une mère tenant son enfant, et celle donc de la danse finale et qui est filmée. Untaya. C'est assez particulier pour moi de voir le film. Il est tourné pendant les travaux et la préparation du café associatif qu'il s'appelait Le Sous-marin. Et j'en parle au passé, aujourd'hui, puisque le lieu n'existe plus. Entre le moment où le film a été tourné et aujourd'hui, Anaya, j'ai vécu le vernissage de la première exposition qui avait été proposée au Sous-marin. Et je me souviens que j'y étais allé au vernissage Wadé, assez timidement et pour soutenir l'initiative et le projet que je suivais sur les réseaux sociaux. Je n'avais osé parler à personne et je m'y sentais pourtant bien.
Et c'est drôle que le film Fares parle de son envie d'accueillir les timides. Ça m'a touché, ça m'a conforté dans ma sensation. Donc ma sensation de l'époque, je m'étais senti à ma place. Et ce lieu, le sous-marin, ce que je veux dire, c'est que ce lieu, le sous-marin, même si c'était une expérience brève, c'était un lieu accueillant et chaleureux. Et pour moi, c'était un lieu juste. Je me rends compte aussi que j'avais connu Fares. Les premières fois où je l'ai connu, c'était parce qu'il organisait des soirées cinéma à Alger, Framdan. Et aujourd'hui, moi, je fais ça depuis quelques années et je me rends compte qu'il m'a inspiré et ça m'a poussé à agir. Voilà, je me rends compte de ça. Et tout ça me renvoie naturellement vers moi-même, donc à le film, toutes ces pensées, ça me renvoie vers moi-même et à me poser la question sur ce qui me pousse, moi, à agir dans le sens de mes convictions. Que je m'aille déjà tech. Rani Haban filmait des danseurs, des corps les bouger, Aïchine. J'ai commencé à filmer ça dans mes projets, j'ai vraiment envie de continuer à capter le langage du corps en fait. Avec l'idée que le corps exprime des choses qu'on a enfermées pour éviter la douleur, et que par la danse, on se répare et on se met en mouvement. Untayama. Je pense que je m'empêche certainement de penser à plein d'idées qui me paraissent d'habitude infaisables, mais là, en voyant dans quelles conditions ils font les travaux et construisent le sous-marin, je me rends compte que ce qui m'empêche de réfléchir à des idées et des solutions, c'est parfois juste ma peur de manquer de confort et de ressources, d'avoir peu de moyens pour entreprendre telle ou telle initiative. Et pour ça, le film il donne beaucoup de courage, et il faudrait vraiment que je m'en rappelle souvent. Par ailleurs, ça m'a donné envie de poser la question à d'autres gens sur ce qui les motive eux à agir, à militer, à essayer de changer les choses à leur échelle, au niveau des villages, des associations ou de ce qu'ils font comme art. Ushnuhiya, l'histoire dans leur peau, qui les fait se réveiller tous les matins et se motiver à œuvrer dans le sens d'une quête tahom personnelle ou là d'une quête collective. Trochekemaf, les films t'as les super-héros. Ils ont tous une histoire personnelle qui les pousse à aller aider les autres. Et par exemple, le Joker, qui est un super méchant, Huaten et Ando, une histoire dans sa peau, qui le pousse à faire des choses. Donc voilà, l'idée c'est d'aller creuser, d'écouter ceux qui agissent, dans un sens ou un autre, qui sont actifs dans la société, et voir ce qui les pousse à agir. C'était un épisode sur le film Fijismi Hikaya, en français Une histoire dans ma peau, par le réalisateur Yanis Raloufi. On espère que vous avez aimé l'épisode. Venez nous en parler. Qolulna wach hassitou les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Habou Selema est un podcast réalisé par Mohamed Rochdi Sifawi et Amira Alwada. Participer à un dialogue entre Algériens, spectateurs de films algériens.